Bonjour à tous, Magali, fille de lune tarot. Nous allons aller voir les énergies pour le mercredi 9 septembre. L'agenda de la lune nous dit prenez des rendez-vous entre 8h et 9h pour des gains optimaux. Euh, mais Mars en rétrograde peut peut-être vous mettre au point mort. Faites attention. Tiens. Un problème émotionnel euh, récurrent peut vous sembler de retour. Tiens. Mercredi, retour en arrière. Retour en arrière. Ça méritait... Euh... Ça méritait David Bowie. Eh oui. Eh oui. Pour ce mercredi 9 septembre. Allons voir. J'espère que vous allez bien. On va aller voir les énergies autour de ce mercredi 9. Merci pour tous vos... toutes vos aides si précieuses. Quand je demande des conseils. Dernière en date était le trouver ce livre de compte. Et, 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 et pourtant, on a trouvé, mais euh, on n'avait pas cette édition-là. J'en suis sûr J'en suis sûre. sûre. C'est drôle, hein, le retour hein, sur des souvenirs qui soudainement nous semblent si importants. Bref, allons voir les énergies pour ce mercredi 9 septembre. Et les messages à vous transmettre. Tiens. Tiens, ça se bouscule au portillon. Ça se bouscule au portillon. Le 5 de coupe à l'envers. Je vous la montre à l'endroit. C'est le, 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 le désordre. Alors quand on parle de points morts émotionnel on ne voit pas vraiment avec la, la lumière, mais. Euh, de point mort émotionnel, c'est le 5 de coupe. Le 5 de coupe à l'endroit, quand on regarde une situation euh, et que malheureusement, on observe euh, bah, les mauvais. Enfin, euh, les, les choses qui ne se sont pas très bien passées. À l'envers, on se secoue, on s'ébroue. Allez, il est temps de passer à autre chose. Et on commence à se dire bon, ben, bah, ça va, ça va, ça va aller. Euh, euh, si c'est pas maintenant, ça sera bientôt. Il y a vraiment ce retour à la capacité de voir qu'après euh, qu après la pluie vient le beau temps. 10 de coupe, bah oui, c'est ça. 10 de coupe et la force à l'envers. 7 de coupe à l'envers, des nouvelles opportunités. Il y en a plein de, de nouvelles opportunités, on dirait. Il n'y a que des coupes. 8 de coupe à l'envers. L'amoureux en haut, et bah dis donc. Et le cavalier d'épée à l'envers. Il y a quelqu'un qui vous intéresse. Il y a quelqu'un qui vous intéresse. Quelqu'un qui vous intéresse. Ou alors... Euh, C'est très particulier quand même <laughs> comme tirage. C'est très particulier. On n'a que des coupes et on a une épée au milieu. Et sinon deux arcanes majeurs. Le 10 de coupe. En ce mercredi, vous êtes... Euh, émotionnellement stable émotionnellement stable même ce qui est étrange c'est euh, cette force à l'envers qui justement même si vous êtes stable je, je pense que c'est à grand coup je vous la montre à l'endroit c'est à grand coup de de beaucoup 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 de maîtrise c'est un peu comme si vous étiez tellement content il y a un peu de fébrilité en fait. Vous, étiez, vous, étiez, vous êtes tellement content oh, bon êtes tellement et tellement heureux dans votre état émotionnel que vous avez besoin de le maîtriser. Alors pourquoi Pourquoi euh, Je pense que c'est parce que vous avez peur de la précipitation, mais de toute façon ça arrive avec le cavalier d'épée au milieu, surtout à l'envers. Surtout à l'envers. Avec le 7 de coupe, alors, on l'a à l'envers, je vous la montre à l'endroit. Le 7 de coupe, les nouvelles opportunités. À part que vous êtes en train de vous demander si c'est juste euh, des châteaux en Espagne, si c'est juste euh, vos rêves qui deviennent réalité. Qu'est-ce qui est concret Qu'est-ce qui ne l'est pas Est-ce que ça peut conduire à quelque chose de vraiment, vraiment tangible, de vraiment euh, potentiellement. Fertile, on dira. Il y a beaucoup de questionnements là-dessus. Alors, on dirait que émotionnellement, je ne je veux pas vous dire autre chose que relationnellement, parce qu'il n'y a que des coupes. Donc, excusez-moi pour tous ceux qui n'ont personne en tête ou dans leur vie, mais là, il y a forcément quelqu'un d'autre. Il y a forcément quelqu'un d'autre. Si c'est une, si une, une, une autre situation qu'une situation amoureuse, vous êtes. Euh, aux prises avec un choix et avec divers choix que vous avez déjà fait auparavant avec l'amoureux en haut, mais on a le 8 de coupe à l'envers ici qui pour moi parle d'avoir des doutes sur une décision qu'on a prise qui est de se libérer de certaines choses. Mais il y a plein de possibilités et il y a tant de possibilités. Alors quand on dit le 7 de coupe, c'est les nouvelles portes. Euh, les nouvelles options, il euh, y a plein de choses, et que ce soit dans notre, euh, dans notre pensée, entre guillemets, ou euh, vraiment des nouvelles, des nouvelles choses qui arrivent dans notre vie, euh, ça peut être seulement deux. <laughs> et là, je pense, c'est peut-être entre ce qui est concret, entre ce qui est de vos fantasmes, de vos désirs sur une relation ou une connexion à quelqu'un euh, vous êtes bien embarrassé parce qu'avec cet amoureux au milieu enfin au milieu en haut je vais vous le montrer l'amoureux c'est un choix prendre une décision aller vers quelqu'un plus que vers quelqu'un d'autre alors ça peut juste vouloir dire se choisir soi-même on n'est pas obligé d'avoir un, un panel de personnes euh, ouvertes euh, à nos sentiments ou. Euh... Mais avec le 8 de coupe à l'envers, on a le sentiment que vous avez déjà vécu. Alors, j'ai le sentiment que vous avez déjà vécu ça. Et pourtant, vous vous demandez si vous avez pris la bonne option. C'est ça qui m'étonne. On a le sentiment qu'il y a quelqu'un qui est revenu et qui vous rend, avec ce 10 de coupe, euh, qui vous met dans une joie. La situation en elle-même vous met dans une joie sans fond. Je ne sais pas si ça existe. Euh, chose, et vous maîtrisez... J'ai le sentiment que vous maîtrisez mal cette joie. Et que vous revenez sur une décision que vous avez déjà prise ultérieurement. Et avec ce 5 de coupe à l'envers, vous étiez en train de vous dire tout va bien, c'est bon. Je, je, je me rends compte que je peux passer à autre chose. Je, je me rends compte que euh, même si mon état émotionnel est... Euh, euh, a été malmené. J'ai pourtant fait un break avec le 8 de coupe. Mais quand on a le 8 de coupe à l'envers, on revient sur ces sur ses certitudes. Est-ce que j'ai pris la bonne décision Est-ce que c'est est ce qui est le mieux pour moi euh, Est-ce qu'il faut vraiment faire ça Est-ce que je dois m'y tenir ou est-ce que je dois lâcher Et avec le, le, le cavalier d'épée. Au milieu que vous avez à l'envers aussi, c'est vraiment la précipitation. D'habitude, il est très concentré sur son objectif, il est très concentré sur son discours. À l'envers, il a presque des œillères qui font qu'il ne voit pas tout, il ne voit pas tous les éléments. Alors, il va arriver à son but parce qu'il est de toute façon bien décidé euh, et que c'est tout ce qu'il a en tête, mais arrivé au but, il aura raté certains éléments qui ne lui, f lui permettent pas de, de... Je vais dire, de se... Satisfaire de son but enfin atteint pleinement. On va être obligé d'éclaircir. On va être obligé d'éclaircir. Alors, j'ai le sentiment qu'il y a quelqu'un qui revient. Qu'il y a quelqu'un qui revient. Ce que je n'arrive pas à, à voir, c'est si vous acceptez ou si vous refusez. en tout cas, quelle que soit la décision que vous prenez, c'est fait trop rapidement. On, on saute un peu aux conclusions. il y a des conclusions hâtives. il y a des conclusions hâtives. et là, qui vient de sauter sur la carte, on a le 9 de bâton à l'envers qui est vraiment être sur la défensive. Hmm. On est sur la défensive, on est sur la défensive parce que, bon sang de bonsoir, émotionnellement euh, c'est le gros bazar, c'est le gros bazar et en même temps c'est un peu comme si ce que vous aviez souhaité soudainement se passait et vous vous rendez compte, je pense, que c'est pas forcément ce qui vous convient, que c'est pas forcément ce qui vous convient. Parce que la force à l'envers, on a du mal justement à maîtriser ses réactions, à maîtriser ses émotions. Et pourtant, il y a vraiment cette idée que vous êtes euh, comblé. Que vous êtes comblé. Pourquoi est-ce qu'on a ce set de coupe à l'envers Alors, cette incertitude quant aux options, et puis une espèce de, j'allais dire, de consternation. Qu'est-ce que je fais Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est pas vrai Soudainement, tout euh, semble possible. Qu'est-ce que je fais de toutes ces possibilités euh, Ça me met dans un émoi. C'était quoi cette chanson Je suis dans un état, oui. Je suis dans un état proche de l'Ohio. C'est ça. J'ai le moral à zéro. À part que vous, vous n'avez pas du tout le moral à zéro. Ça vous laisse plutôt perplexe euh, et dans une obligation. J'ai le sentiment dans une obligation de choisir pour vous sentir en fait un peu plus apaisé. Parce que l'amoureux là en haut, il nous demande de prendre une décision. Est-ce que vous êtes obligé de prendre une décision J'ai l'impression que c'est parce que la pression monte en fait. Mais vous vous faites monter la pression, mais il y a forcément quelqu'un d'autre qui vient vous... C'est ça, c'est ça, hein. on continue, hein. le 6 d'épée à l'envers. Quand on n'arrive pas à passer à autre chose, aussi parce que quelque part le passé nous rattrape. Le passé nous rattrape. L'amoureux, euh, l'amoureux nous parle d'une connexion, bien entendu, super forte d'une relation euh, qui nous met dans l'embarras parce qu'il bon, peut y avoir plein de, plein, plein, plein de raisons, les sentiments, bien entendu, la connexion, bien entendu. C'est fou, hein Et là, on a le mât à l'envers. On dirait que vous voulez quelque chose, que ça arrive, que ça, vous savez pas si... Au final, c'est comme... C'est exactement ça il y a quelqu'un qui revient dans votre vie que vous avez désespérément essayé de chasser de votre vie. Et là, que vous preniez une décision ou l'autre, ça vous met dans le même état de doute avec ce mât à l'envers, avec le 8 de coupe à l'envers et le mât à l'envers. Le mât, il prend une nouvelle décision, il, prend, il se jette parce qu'il faut qu'il... Euh, qu'il commence une nouvelle aventure. Et là, il y a de la peur. Alors, il y a la peur de perdre, j'ai le sentiment, cette personne qui revient, mais il y a aussi la peur d'aller de l'avant avec cette personne. C'est fou. Vous êtes sur une, une, une espèce de, de corde raide, euh, ne sachant ni s'il faut tomber, euh, ni s'il faut avancer, reculer. Mais ce que, je, ce, que je, ce que je me dis avec ce 10 de coupe, c'est qu'il semblerait que l'équilibre soit là un peu comme si vous disiez ⁇ je savais, je savais que ça allait arriver ⁇ Je savais que ça allait arriver et maintenant c'est là. Alors qu'est-ce que je fais Alors qu'est-ce que je fais et on... Alors, avec ce, avec ce cavalier d'épée à l'envers et ce neuf de bâton à l'envers, il y a vraiment l'idée de, de persévérer sur euh, le. le... C'est un peu comme si vous vous enfermiez. Vous savez, comme quand on a. Un... Quand on a, je sais pas, 12, 14 ans et qu'on craque pour ce garçon plus. plus je vous parle d'expérience. Hein, après, messieurs, mettez-les à votre à votre euh, à votre sauce aussi, mais et qu'on craque devant devant quelqu'un et que soudainement cette personne qu'on a qu'on a badée pendant tout l'été euh, se présente devant nous et on, 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 on baisse la tête et on l'évite tellement il y a il d'intensité tellement il y a, y a de... et que on ne sait pas si en fait on veut rester dans notre tête et dans notre relation rêvée avec cette personne ou si on veut vraiment qu'il se passe quelque chose et ben c'est ça eh ben c'est ça. <laughs> oui, ben, vous pouvez. On dirait que vous, vous le trouvez. Bon, vous trouvez un équilibre. Après, je vous avouerai que je ne suis pas convaincue que ça soit dans l'action. Je pense que vous avez besoin de poser les choses à plat et de voir ce qui est bon pour vous, entre guillemets. Vous avez besoin de temps. C'est évident parce qu'avec ce 8 de coupe à l'envers et ce mât à l'envers, vous ne savez pas quelles sont les meilleures options pour vous. Donc il y a une idée, entre guillemets, de se précipiter. C'est un peu comme si vous avez rencontré ce, cette, cette personne que vous badez là, et puis vous... Tout d'un coup, les papillons dans le ventre, la respiration qui s'arrête. Qu'est-ce que je fais euh, Il est devant moi, c'est le moment... Euh, je sais pas, on est dans un... Vous, vous... La porte de l'ascenseur s'ouvre, voilà, c'est ça. Vous pouvez entrer dans l'ascenseur et vous voyez que cette personne vous sourit à l'intérieur, prête à faire un bout de, con... de conversation. Et vous, vous faites... Ah, j'ai oublié ma montre et vous partez dans l'autre sens. J'ai vraiment parce que euh, tout d'un coup cette personne est là et qu'il faut avec la justice non seulement retrouver un semblant de de tenue, euh, mais en plus analyser ce qu'on veut et ce qui est bon pour nous. Il y a vraiment parce que je sais pas si vous vous rendez compte, on a alors on a on a deux cartes d'épée, les pensées qui sont à l'envers, donc c'est vraiment confus. C'est confus, on sait quoi faire, mais on a beaucoup de mal par rapport à tout cet émotionnel qu'il y a là. Et l'action, la seule carte d'action en elle-même, c'est le 9 de bâton à l'envers qui est on s'enferme, on est sur la défensive, on se met dans un fort et on n'en bouge pas. Bah, dis donc. Je ne sais pas ce qui vous arrive, je pense que c'est très particulier à un certain nombre de personnes, ça ne va pas parler à tout le monde. Mais avec la justice, il y a l'idée d'avoir besoin de soupeser tout et, et surtout euh, de mettre tout cet émotionnel de côté. C'est-à-dire qu'une fois que votre cœur a arrêté de battre la chamade, que votre cerveau s'est mis sur... Euh, vous pouvez reprendre votre respiration et commencer à réfléchir. Et on dirait que c'est ça en ce mercredi. On n'écoute pas son cœur. Vous avez raison <laughs> Enfermez-vous. Si vous ne savez pas quoi répondre, il ne faut pas répondre. On va pas... Alors, je vous avouerai que pour ceux qui croisent cette personne dans l'ascenseur le... dans et qui ratent le, le coche, Mais je pense que vous, vous la connaissez déjà cette personne. Je ne sais pas pourquoi. Ou alors c'est que vous récupérez votre cœur en miettes d'une d'une relation précédente et que ça fait longtemps que vous espérez rencontrer quelqu'un qui a tout ça, tout ce qui vous met en disque de coupe, hein, tout ce qui est là. Oh mon Dieu, c'est merveilleux. Et vous étiez peut-être fixé sur l'idée d'être seul ou d'être... Et là, il y a soudainement une porte qui s'ouvre en grand. Et vous êtes complètement désarçonné. Bon, ben, commentez, n'hésitez pas. Dites-moi ce qui se passe. Dites-moi ce qui se passe. Parce que là, pour ceux avec qui ça va résonner, j'aimerais bien savoir quand même. J'aimerais bien savoir euh, pourquoi vous ne faites pas ce pas en avant. Qu'est-ce que c'est que cette personne euh, Commentez n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez, euh, aimez la vidéo, si ça vous parle, si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse e-mail dans la petite boîte juste en dessous. Euh, je vous souhaite un beau mercredi. Un beau mercredi, je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.